Cynthia Da Coffee, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on se retrouve à Evergreen Harbor pour que je puisse vous présenter la rénovation d'un petit appartement. Je vous en avais parlé lorsque je vous avais présenté la tiny house écologique que j'avais également faite à Evergreen Harbor. D'ailleurs, si ça vous intéresse de voir cette construction, elle sera disponible dans le petit i. Je joue toujours avec la sauvegarde de la youtubeuse NS, le lien est bien entendu dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Cet appartement au départ était vide, il n'y avait que la cuisine qui était meublée et la salle de bain. Néanmoins, j'ai modifié ces deux espaces pour qu'ils puissent correspondre à la famille que j'allais faire emménager dans cet appartement. Vous connaissez sans doute le grand politicien Nayati Brierley. C'est à lui qu'on doit tous les changements qui sont survenus à Evergreen Harbor. Son rêve était de rendre la ville plus écologique. Mais ça n'a pas été une mince affaire. De grands barons de l'immobilier se sont fermement opposés à ce projet. Après tout, ils risquaient de perdre pas mal d'argent dans le processus. Pour s'éloigner du tumulte grondant de la ville, la famille Brierley était partie se ressourcer à Sulany, chez des amis de famille. Sulany était à l'opposé d'Evergreen Harbor. En apparence, l'île semblait paisible et proche de la nature, mais comme dans toute grande ville, des nuisibles s'opposaient au changement. Néanmoins, Nayati avait trouvé comment il pourrait faire évoluer les choses à Evergreen Harbor grâce au conseil de ses précieux amis. Seulement, tout ne se passa pas comme prévu. Un jour, la famille partit à bord d'un voilier pour découvrir les archipels de l'île. Alors qu'ils étaient en mer, le volcan se mit à gronder. Le ciel se couvrit et la tempête éclata. La famille tenta tant bien que mal de revenir près du rivage, mais la mer était trop forte. Après de longues minutes d'acharnement, une énorme vague s'abattit sur le bateau de la famille et le silence se fit entendre. Les habitants de l'île avaient mis plusieurs heures à retrouver la carcasse du bateau. Ils cherchèrent en vain les corps des naufragés, sans succès. Jusqu'à ce que... La nouvelle du naufrage de Nayati et de sa femme fit le tour de la presse. Ça paraissait si invraisemblable et pourtant, quelque chose se tramait. Uyana et Gadji étaient les seuls rescapés de cette macabre sortie. Les deux adolescents avaient le cœur lourd et ne souhaitaient plus revenir à Evergreen Harbor. Ils savaient que la presse locale les attendait de pied ferme. Ils décidèrent alors de rester à Sulany quelque temps. Quand ils furent en âge d'aller à l'université, ils revinrent habiter à Evergreen Harbor. Ils vendirent la maison de leurs parents. Il leur était impossible de vivre dans cette maison maintenant que leurs parents n'étaient plus de ce monde. Ils louèrent alors un appartement en ville, et finalement, la fac était une bonne distraction pour les deux étudiants. Avant de vous montrer l'appartement, je vais vous présenter les deux petits Sims qui vont y vivre. Voici Uyana. Et maintenant, voici ses tenues quotidiennes, habillées, de sport, de nuit, de fête, son maillot de bain, sa tenue temps chaud et sa tenue temps froid. Nous avons maintenant Gaji et voici ses tenues quotidiennes, habillées, de sport, de nuit, de fête, son maillot de bain, sa tenue temps chaud et sa tenue temps froid. Et enfin, nous avons le petit chat, Loki. Voici comment est agencé l'appartement. Vous rentrez sur une grande pièce de vie avec le salon et la cuisine ouverte. On a une petite salle de bain. Et en haut à gauche, vous avez la chambre de Gaji. Et en bas à gauche, vous avez la chambre d'Uyana. Et maintenant, je vous laisse avec le petit machinima de l'appartement.